On demande de démontrer, sachant qu'ABCD est un parallélogramme de centre O, que vecteur AB moins vecteur BA est égal à 2 fois vecteur O. La première idée consiste quand même à se faire une figure et à partir de ça, de me mettre mon réservoir à idées. ABCD est un parallélogramme, donc on va avoir comme égalité, par exemple, le vecteur AD qui va être égal au vecteur BC, ou alors le vecteur AB va être égal au vecteur BC. La deuxième information de mon énoncé, c'est que O est milieu du segment AC et du segment BD, puisque on sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Du coup, on va exploiter par exemple celle-ci d'égalité, vecteur AO, puisqu'on voit que dans mon égalité là, on parle du vecteur AO, je me dis que ça pourra me servir. Le vecteur AO va être égal au vecteur OC. Et on pourrait exploiter aussi une autre façon de le dire, c'est que le vecteur AC est égal à 2 fois le vecteur AO. On a donc 3 égalités, 4 égalités. Et l'idée, c'est que maintenant, une fois que j'ai posé mes hypothèses, tout ce que mon énoncé m'a donné comme information, je l'ai traduit vectoriellement. Je vais donc partir d'un des deux membres, par exemple de celui-ci. Je vais essayer de le transformer en utilisant ces propriétés-là pour arriver à mon deuxième membre. Donc je pars de vecteur AB moins vecteur BA. On va essayer de transformer cette égalité-là, cette expression-là. Donc, comme on est une soustraction, l'idée c'est de transformer la soustraction en une somme et de dire que le vecteur AB moins vecteur BA est égal à vecteur AB plus vecteur AD. Alors là, on ne voit pas de relation de Charles, on ne voit pas grand-chose, et on pioche dans notre réservoir AID, et on voit que le vecteur AD, là, ici, est égal au vecteur BC. Donc, si on appelle cette égalité-là l'égalité 1, par exemple, on pourra dire que d'après 1, on a vecteur AB plus vecteur BC. Il aurait fallu marquer d'après 1 ici. Ça aurait été mieux. Maintenant, on voit qu'on a la relation de Charles, et ceci est égal à vecteur AC, d'après la relation de Charles. Et la dernière chose, le vecteur AC, on l'a marqué tout à l'heure, était égal à 2 fois le vecteur AO. Mettons un petit numéro à cette égalité, 2. Ceci est égal à donc 2 fois AO, d'après mon égalité B. Je suis donc parti de vecteur AB moins vecteur BA. Je suis arrivé à 2 fois le vecteur AO, CQ et FD, ce qu'il fallait démontrer.